Alors salut à tous les petits potes. Alors ce soir on va jouer à des jeux N64 parce que mon PC il fait pas tourner grand chose. J'espère que ça va vous plaire. On va jouer à des jeux un peu rigolos. Et voilà, si jamais vous aimez bien on fera d'autres trucs. J'ai d'autres émulateurs, la Game Boy Advance. Bon, je sais pas comment appeler ça, hein. Ce sera je sais pas. Real Dino Killer Gaming. Je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires, surtout Vincent Foucault. Alors, ouais, je m'en fous du Rumble Pack. Là, j'ai jamais joué au Blues Brothers 2000, mais bon, le jeu il a l'air incroyable. Déjà c'est bien. Oui. Please find taker. On va essayer de faire plein de jeux, hein. Donc en général je vais passer 10-15 minutes sur un jeu, histoire de tester plein de trucs. Et puis parce que de toute façon on va pas jouer à des chefs-d'oeuvre. Le concours est dans moins de 10 jours, il faut que je sorte pour passer le coup. Ok. Waouh. Fatigué. Normalement on relâche le méchant. Il y en a parmi nous qui n'aiment pas le gardien, alors bonne chance. Ça va être quoi? Un truc d'infiltration. Wow. Le groupe a besoin de plusieurs chansons pour gagner. Ok, il faut récupérer 10 notes. Ok. Ok. Il se passe quelque chose. Hein. Oh. 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 C'est quoi? Il y a vraiment un bouton juste pour faire un salto arrière. Ok, bon. Ça c'est pour frapper des machins. Ça passe bien. On peut bouger la caméra ou pas? D'accord. Attends, j'ai même pas lu. Il faut que j'ai un guitariste du coup. Pour faire des trucs. Les cœurs en cristal sont des ramassés. Ok. Oh, très bien, moi. Ah putain. D'accord, ça sert à faire une vue intérieure, ça. Ah, vous m'énervez. Chaque fois que tu ramasses. Bon, je sais pas, on va là, il m'a trop stressé. La musique est rigolote. Je demande comment je me gagne, hein. Est assez puissant pour m'amener jusqu'à. Ok. Bon, lui. Putain, il y a que des mecs énervés en fait. Pourquoi le jeu il rame sa race comme ça? Je sais pas si c'est l'émulation ou. Le jeu qui pue la merde de base. Ouf. Oh putain. Mais. Ah, je comprends rien à la caméra. Yes. On a une note. Des choses, on peut la reculer ou pas? Elle est vraiment capricieuse, elle fait n'importe quoi. S'il te plaît, mets-toi dans le bon sens. On n'a pas de double saut, donc il faut faire un bail avec ça. Je sais pas s'il faut casser les. Ah, c'est ça. Par contre, ils vont vraiment me casser les couilles, quoi. Ah, il faut se casser, merde, c'est le bouton. Eh! Oh non! Putain! Mais qu'est-ce que tu fous une grosse patate? À comment on se baisse sa race là? Ah, le problème c'est qu'il faut être à l'arrêt pour le faire, tu peux pas le faire en te déplaçant. Ah, que mon bouton il est fatigué aussi. Oh! C'est fou? Ok. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas, faut taper dessus. Putain, notre cache-câble ou quoi? Ça a l'air de rien faire. Ah non, je crois pas. Y'a pas un truc des contrôles ou je sais pas quoi là? Non. Bref, je sais pas, je comprends rien. De toute façon, on va pas passer 1000 ans sur ce jeu.
Il n'y a pas de feedback, alors je sais pas si ça fait quelque chose. Bon, bref. Putain, oh la violence. Oh là là. Mais c'est la salle du bad ici. Hein. J'ai l'impression qu'on a bien fini. Donc on fait bas les couilles. Ça, ça fait quelque chose. Tu peux rentrer. Mais... Ah, ok. Ils te mettent le conseil au pire endroit. Et mettre devant mes yeux. Donc il faut essayer de les trigger ces connards là. Le problème c'est qu'ils sont pas trigger longtemps. Allez. Oh là là. Oh, il va vraiment me casser les boules. Laisse-moi. Oh là là, c'est l'enfer. Mais rampe connard. Ah bah si, il y a des filles. Bah c'était nul. Je comprends pourquoi j'ai pas encore joué. Donc on va se faire autre chose. Donc le but c'est de prendre des trucs un peu foufou, un peu rigolo. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Alors, normalement j'ai joué à la plupart des jeux N64, donc je les connais assez bien. On peut se faire un... À qui t'as vraiment badé? Ce jeu il met vraiment dans le dur. En plus je crois qu'il a des gigabugs graphiques sur ma version. You ce con. J'en ai deux. Ah non. Parce qu'il y a un sous-spark en mode FPS qui est fait par les mecs de Turok. Bah, Acclaim. Acclaim a fait aussi le truc de Racing apparemment. Et un autre qui est en mode Racing. Et c'est un grand jeu. Putain merde, faut pas que j'appelle l'intro. Bon, balek. Tant pis. Il y avait une incroyable chanson. Il y a même pas. C'est la déprime, le menu. Il y a même pas une petite chanson. Que des bruits de paix. Là, on va vraiment bader là. Je sais même plus s'il faut. Bon, championship. On va prendre. Ah, ok. Allez. C'est déjà le dur. On est déjà grave dans le dur. C'est le bordel. Je sais même plus les boutons, mais bon, on verra bien. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelais pas que ma robe elle était aussi déglinguée. Merde. Oh bah là c'est pas jouable, ça n'a pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Si je le mets en arcade race, est-ce que ça va mieux ou pas? Bon, on n'a qu'une ville. Ou si ça pue la merde. Bon. Mais pourtant j'avais pu y jouer avant. Bon, elle est désaltérée complet. Non, non merde, je suis pas content. C'est pas possible. Yes, pour moi on a l'intro. C'est l'enfer. Bon. Alors, sous Spark Rally, bruit de foot. Tout va bien, championship. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à South Park Rally? Peut-être qu'il faut pas jouer ça plein de fois. Oh, ça marche! Bon, bah, c'est parti! Attends, comment ça marche? C'est plus des bails. C'est bon, faire ce jeu. Casse-toi! Ça, c'est insupportable. Et ça rame. Hein. Comment on utilise ces bonus? Attends, est-ce que c'est de la grosse merde, c'est ça? Pourquoi j'avance plus? C'est insupportable.
Mais il y a de l'excellent. Ouh, musique. Et on est obligé d'attendre. Eux, ils sont battus les plus. On va les suivre, hein, ils doivent sûrement connaître la course. T'as ça à Noël, t'es pas content. Non, non, non. Le tracé, je peux rien dire. Ah, mais je me souvenais plus qu'elle autant de plus. Alors, faire du bon chien. Attends, le quatrième il est au bout, ouais, c'est ça. Ok. Ouf, je suis combien là? Ils ont pas changé l'ordre, c'est un truc de merde comme ça. Non, c'est. Mais comme vous pouvez voir, c'est un jeu hautement passionnant. Ils sont dit comme étant des proutes. Dans les bruitages, on allait sûrement se régaler. Mais pourquoi moi j'ai que des bonus pourris, il se passe rien. Bon, là j'attends pas le train, je m'emballe. Oh, on passe des choses. C'est quoi cette merde? Je comprends la moitié de ce qui se passe à l'écran. Ça va, je suis les premiers. Je suis le dernier, mais il faut qu'il me donne des accélérateurs ou des machins, sinon je peux y arriver. La musique elle bug. C'est très bien. Alors. Il a l'air d'être bien devant le connard. Ah ouais, il a l'air, je l'avance. La course semble compromise. Non, ça peut rester. Oh non! Ouais. Ouais, faut que je passe dessus sinon ça fait mal. Oh là là. Oh 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 oh. Accident. Non, c'est une catastrophe ce dernier tour. C'est sûr j'ai perdu. En même temps c'est un jeu pour la première fois. Ah oh là là, mais non. Ah, c'est vraiment de la merde. Mais la musique, elle bug, ça. Je crois que les... Le mec a fait l'émulation de cette merde. Il savait à moitié ce qu'il faisait. Bref, encore un excellent jeu. On passe une très bonne soirée. Si ça marche. Oui, ça marche. Yes. Donc ouais, il n'y a que le premier niveau qui est bien. Et ouais, c'est un jeu que j'ai eu avec la console. Et les illustrations par contre, elles sont giga stylées. Heureusement qu'il y a ça. Hein. Ouais, c'est un espèce de jeu qui était en fait une sorte de test pour le marché... des jeux Star Wars. Donc en fait c'est un espèce de melting pot entre des shooters, des level shooters dans des petits lieux ouverts. Il y a du shoot sur rail, et puis t'as surtout les pires phases du jeu, les phases TPS moisies. Donc le premier level par contre c'est plutôt cool, il envoyait quand même du lourd pour l'époque. C'est la bataille de Hoth, évidemment. Donc ça, quand t'es gamin, ça te fait rêver. Évidemment. Hop. Une intérieure cache. Il y a la musique. Elle est stylée. Et de toute façon, c'est simple. Hein. Je faisais que ce niveau quand j'étais gamin, parce que le reste est vraiment nul. Wow, l'émulateur, il en peut plus, non? Bref,
J'aurais peut-être pas dû me mettre en facile, parce que là c'est vraiment free. Mais non, je me rappelais que le jeu était énervé pourtant. Mais c'était cool, c'est plutôt maniable. Il y a la musique. Il y a les ATST. Il y a les petits bruits de sonde. Il y a tout ce qu'on veut. Bam, on a fait le café. Et c'est un petit stage qui est assez simple. Bon, ça me rend fou que ça rame là. Maintenant je rame pas. Hop, on va accélérer. Et franchement, c'était plutôt bien modélisé les ATST, je les trouve vraiment stylé. Et ce qui est trop stylé, c'est ce qui vient après. Ah putain, j'ai fait de la merde. On a plusieurs vis. Hein. Oh, le jeu est un peu plus. Ça. Ça, c'est stylé. Merde. Ça, la vie. Ça, c'est giga stylé. J'explose, je vais fermer la console. Hop! Et pour finir, il nous décuple tout ça. Enfin, on va repasser en vue intérieure parce que c'est pas plus classe. Toujours d'abord détruire les petites mères. Bam! Ah, franchement, c'était pas trop mal rendu. Hein. Franchement, faut se remettre à l'époque. Pas mal. Ça, franchement, quand t'es gamin, ça te met bien. Et malheureusement, le bad vient après. Oh, je fais n'importe quoi. Hein. Là, il faut surtout pas mourir, tu fais décider la console. Attends, qu'est-ce qu'il a fait là ou pas? Parce que je vais m'appeler n'importe comment dans ma manette, du coup, je sais pas trop ce que je fais parfois. Le Walker, c'était stylé. Hop là, il s'effondre, il explose. Je sais plus s'ils explosent totalement. Je crois qu'on peut tirer pour qu'ils explosent comme dans le film. J'ai essayé. Non, ça fait rien. Mais par contre, on pouvait les avoir par la tête si on voulait. Mais bon. C'est quand même beaucoup moins stylé que de prendre le câble. Oh. J'ai oublié que c'était aussi rotor que ça. Allez! Il veut pas déclencher le câble. Déclenche-le, s'il te plaît. Je suis plus où il est le bouton. C'était trop cool quand même. Petit pote. Mission complete. Et la console explose. Oui, arrête-toi le jeu. Il est temps de s'arrêter. Biofreaks. Écoutez, Biofreaks. Ça doit être bien, Biofreaks.
Parti. Biofreaks. Midway. Oh. Welcome to Neo America. j'ai aucune ROM qui marche correctement. Oh là là, j'ai envie d'en prendre aucun, moi. Ils sont tous nés. Ouais, je comprends rien au truc de sélection. Bon, on va prendre ce machin. Wow. C'est donc ça, Biofreaks. Wow. Ah, ça fait pas de dés, hein. Attends, comment ça marche? Oh! Putain, ils s'en passent des choses. Donc le A, c'est choisir des lasers. Et ça, c'est... Je comprends rien! Oh, j'ai gagné apparemment. Papa, papa. Il y a des histoires de shield, de machin. Ah oui, souvent c'est teasé le. C'est vrai, je suis con. Les C buttons dans les jeux de combat, ce qui était à chier. Parce que la MN64 a été nulle pour les jeux de combat. Alors. Oh la cam, elle fait n'importe quoi. Bon, j'ai gagné, hein. Sans transition. Non, c'est bon, hein. Biofreaks là. C'est pas que c'est pas bien, hein. Bon. On va s'amuser un petit peu. On va jouer à 1080 Snowboarding. Dun, dun, dun. 1080. What is it? What is it? On va se faire... Merde. C'est ma vie souris. Walk your body. Walk your body. Walk your body. Moi je prends mon préféré, Rob Haywood. Et je sais plus ce que je prenais comme planche. Oh, celle-là a l'air pas mal. Hein. Il y a du flex. On se met en goofy. Walkie body, walkie body. Versus. On sort une petite course. Go! Yes! Ah, c'est tout de suite plus cool, hein! On va jouer classique, on va pas faire figure ou quoi que ce soit. Je sais même plus comment on les fait. On va juste faire la petite course avec la meuf. Oh. Oh. L'émulateur, il en peut plus. Hein. Elle est en train de me niquer là. Oh. Oh. Je sais que sur la grande ligne droite, ils sont nuls à chier, tu peux les doubler. Un lac. Ah, oh, oh, je fais n'importe quoi. Ah, oh, ça va. L'écran, il bug total. Bon, allez, pour la forme. Ça va. Je crois que tu peux faire un 360. Bon, j'ai rien fait du tout. Voilà. Hop. Bon, on s'en fait une deuxième, c'est rigolo.
Rob Haywood versus Ricky Winterboard. Ready? Go! Go! Ah ouais, cool ça. Un peu sous-mixé malheureusement. Oh! This is a test. Non, non, non! Teste-toi! This is a test. Nani 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 nani. J'aime trop les synthés claqués. Ça, je suis nul à chier. Hop là. Ouais, les sensations étaient plutôt cool. C'était plutôt réussi. Ce qui était vraiment stylé, c'était la petite traînée là qu'on voyait derrière le snowboard. Ça paraît banal maintenant, mais à l'époque, ça en jetait. Ah. Nanana, nanana. Oh putain. Ah. Je galère rien, je vais sûrement gagner. J'aime trop ces synthés. Ouais, il y avait un peu l'électro sympa de l'époque en fait, l'OST de ce jeu. Oh là là, this is a test. Je vais bientôt canner. On va éviter de faire le fou. This is a test. Ah, c'est la fin, ça devrait le faire. This is a test. Nani nani. On va éviter de prendre les rampes. On va jouer safe. Voilà. Seb. You did it. Tout, tout. Avec une petite jungle. Mon petit générique. De toute façon, il y en a que 3 là. On va sur les 3. Hein. Elle est plutôt cool celle-ci d'ailleurs. Avec du rock en midi. Alors là, on peut prendre des shortcuts que je prends tout le temps comme une grosse merde. Voilà. Bon sens ça va. Ah, j'aurais dû prendre l'autre côté. Ah, ça va, ça passe. Là, on réajuste. Oh, mais on est pas mal, non? D'habitude... Ah, je suis plus mauvais que ça sur cette course. Ouais, là t'as deux options. Soit tu dévales la grosse pente, on va faire ça. Soit t'as un passage un peu plus safe. Je vais sûrement m'exploser la gueule en bas. Oh. Faut bien atterrir avec la planche bien alignée, tout ça. Mais là j'ai voulu tenter une figure. Pour faire le kéké. Il faut faire gaffe aussi. Voilà. Merde. Ça va. Voilà. Oh, ça va. Il faut faire gaffe. Ah oh, putain. J'ai pris trop mal. L'autre il est derrière, faut que je fasse attention quand même. Yes! On est yimbe. Rob Haywood. Ah, il y a une petite dernière. Dion Blaster. Ready? Je sais plus laquelle c'est. Ça, c'est la grosse ville ou je sais plus. En gros, plus tu montais les modes de difficulté, plus t'avais de courses qui s'ajoutaient. Là, je me rappelle plus combien il y en avait dans le premier truc de départ. Voilà. Merde.
Ah oui, c'est là, il y a une petite maison et tout. Ça, c'est rigolo. J'arrive pas à faire les figures, c'est dramatique. Pourtant, c'était simple, hein. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. T'enfonces B et tu fais des directions. Oh là là, ça se passe pas bien. Hein. Ah lui, il va me faire chier là. Ouais, c'est ça. Après, t'as les. Ah, casse-toi. T'as les embranchements. Bon, le rock en midi, c'est pas mes musiques préférées. C'est croulé comme une vieille merde. Oh, moi aussi, je suis nul. Le passage de fin était giga stylé avec la ville et tout. Bon, faut oublier qu'il y a une. Qu'il y a un JPEG en 144p de montagne derrière. Mais c'était cool quand même. Arrivé là, hop. Oh putain, il y a 3000 bugs graphiques sur ma version. Oh mais casse-toi, il est chiant. D'habitude, ils me font pas chier comme ça. Alors là, tu peux faire le fou, tu peux passer en haut. Mais ça, c'est pour les mecs skillés. Moi, je suis plutôt à faire le mec safe. Mais ouais, c'était grave stylé la ville. On va essayer de passer par des petits trottoirs. Ah, voilà. Et là, normalement, t'es plutôt tranquille. Ah, à part si t'es nul comme moi. Yes. Ouais, ça, c'est, je sais que c'est la solution tranquille. Yes! Oh, j'étais nul, mais je gagne. Victory! C'est toujours triste un peu la fin. Ils sont même pas animés les personnes derrière. Adoubez-moi. Ah, c'est incroyable les bugs graphiques de mon émulateur. Eh, j'ai fait du très très bon travail. Alors, on va pouvoir jouer autre chose. Ah cool, ça aussi. Ça fait trop plaisir qu'il y ait de la jungle. Ça, c'est signe des bons jeux. Et il y a de la bonne musique. Na 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 na. On va jouer à Scooby Doo. Scooby, Scooby, Scooby. On va jouer à Scooby Doo. Scooby, Scooby, Scooby. What a night for a night. That was one scary movie. We should have picked an afternoon martini. Je sais plus les comment il parle Scooby. Scooby Scooby. We just need to walk down this road so we can meet up with the rest of the gang. Like the sooner we get off with this spooky world. Whee! Pourquoi je l'ai en ce format comme ça, Scooby-Doo? Oh, il a peur. Il n'y a pas l'air beaucoup d'avoir beaucoup de choses à faire. Oh. Faut éviter les chauves-souris.
Que s'est-il passé? Et le format du jeu est incroyable. Je sais pas, mon émulateur il est vraiment fou. R pour... Vas-y. Ok, chipping. A chipping invoice. Ok. Ça c'est quoi? It's a handkerchief with the letter W. Ok. Scooby Snack. Prends-les, mange tout. We better... Ah, il y a le... Il y a un truc à reprendre, là. Ah. Ok. Ouais. Et comment on l'utilise? C'est B, j'imagine? Non, c'est A. Tout simple. Ok. Bah, on a fait notre mission, non? Ah, c'est bon. Found and hand voice, and then we put out the fire, but the driver was gone. Oh, il y a toute la fine équipe là. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? C'est le musée du curateur, Monsieur Wickless. Je suis désolé, mais le musée est fermé. Gna 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 gna. Va devoir aller dans le musée. Scoopy, il est vraiment mort de l'intérieur. Il se tape des barres quand même. Sounds like mystery to me. We need to get inside. Maybe there's another way. Hey, look at an open window. There must be something. Don't forget to give clues and trap pistes to the gang. Ah, les indices, tout ça. Vas-y, je leur file. Vas-y, je leur donne ça aussi. You need to find... Il faut trouver quelque chose pour ouvrir. C'est bon, il était déjà là. C'est un jeu sympathique. On est dans le musée. Chut. Il n'y a pas un truc pour avancer de manière discrétion. En discrétion. C'est pas notre copain, j'imagine. Il avance bizarrement, Sammy. Il veut pas aller là. Ah, faut prendre ça. Sammy, il s'en fout. Il vole les trucs directement devant le... Mais entre dans le cafétéria. Tu veux aller nulle part? Mais... C'est le principe d'un musée de la nuit qui fasse froid. Bon, ça va, il est vraiment aveugle. Je veux voir quoi, du coup? Eh, j'arrive pas à avancer, ça me rend fou. Oh. J'ai vu qu'ils allaient nous faire le remake de MGS1 là, avec l'ascenseur à attendre. Bon bah c'est bien ce jeu. Yes, il y a toute la bande.
Yes. Velma. Faut trouver Velma. Elle s'est fait capturer. Tout est comme dans le dessin animé, hein, c'est bien. Hein. Je sais même pas si c'est un vrai épisode, ça, d'ailleurs. Il y a moyen que ça soit un vrai épisode. Bon, c'est marrant, du coup, on va aller dans toutes les petites parties et tout. Oh, ça a pas l'air si mauvais que ça. Vas-y. Et ils mangent pas les Scoobies. Ah bah si, tu manges les Scoobies quand même. Ah, ça augmente la jauge et tout, ok. La jauge... C'est bon, dit qu'il est effrayé, il perd des points. Il y a un... Je sais pas comment appeler ça... Un peuromètre. Ah! De l'argent. Ah non, c'est un truc de ce bizarre dans un musée quand même. La cam, c'est trop bizarre. Enfin, les déplacements, c'est très bizarre. Il y a un côté Resident Evil. Franchement, il y a une petite ambiance et tout. Hein. Et c'est pas trop laid. Malgré ce format horrible. Oh! Merde. Cours. Oh putain, mais il nous lâche pas en plus. En fait, à chaque fois que tu perds, tu reviens là. Ok, bon, c'est un jeu qui te punit même pas. C'est cool. En fait, tu fais juste revenir en arrière, il n'y a pas de système de vie chiant et tout. Bah, ça a l'air rigolo! Bon, pas un chef-d'œuvre, mais ça a l'air jouable en tout cas. C'était Scooby-Doo. On va beaucoup moins s'amuser. Ubisoft, déjà, on n'est pas très bien. Avec la musique du début, elle est rigolote. On s'en fout de l'intro. Ice score. Comme si j'avais fait des ice score. Bon, allez, c'est parti. Là, on va être dans le dur. Hein. Comment dire ? Oh là là. J'ai envie de rejouer à 1080. Hein. Ça, ce jeu, je rêvais de l'avoir. Hein. Heureusement que mes parents, ils me l'ont jamais acheté. C'est une abeille qui tire des lasers dans un environnement ouvert. Ah, ça va être forcément ultra, putain, ultra stylé. Mais non. Mais je crois que tu peux te poser et après devenir une tourelle ou un truc de merde comme ça. Ah, oh, c'est la tristesse. Hein. Oh. Boum, 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 boum. Bump to base. Oh, on a un salto. Comme dans les Blues Brothers. Là, je crois qu'il y a un truc avec... Non, bon, j'en ai marre, je veux pas faire ça. Ah oui, tu peux le zoomer comme ça. Ah, tu peux... Oh. Ah, ok, ouais. C'est horrible de jouer comme ça. Ça, c'est un téléporteur, je crois. La musique, c'est la déprime. Hein. Du coup,
tout ce jeu, c'est la déprime, de toute façon. Comment on switch les armes? Ah, comme ça. Dire que tu pouvais avoir Rogue Squadron, tu vois. Genre, tu pouvais te mettre bien. Et y'en a qui ont choisi Doug Bumble, parce qu'ils ont vu des pubs. Mais quelle porte! Non, ça c'est juste du rien. Oh là, relève-toi, connard! Y'a un radar, mais il m'indique pas de direction, quoi. Mais il me dit juste qu'il y a des trucs dangereux. Bah, c'est cette porte-là. Je sais même pas si je suis obligé de les détruire. En fait. On s'ennuie. Attends, mais je suis revenu. Voilà. Pour faire quoi? Rien avec ce clipping aussi. On revient là. Là. Ah, c'est peut-être ça. Ah, d'accord. Ah, je me souviens de cette pièce. Ça, c'est la pièce du bad. Attends, on va switch d'armes. Yes, bon, il est rigolo ce bruitage. Wow. Pourquoi ça explose? Attends, il y avait un truc là. Oh non, c'est un peu grave. Après, c'est assez maniable, hein, globalement. C'est juste chiant, dit que t'es collé à une surface verticale. Mais pour viser, la visée, elle est assez précise. Dit que tu colles à un mur, tu restes accroché, ça c'est insupportable. Ah d'accord, c'était ça les mines que j'avais franchies tout à l'heure. Je sais pas ce que je dois faire, hein, ça me rend zinzin. Je dois juste détruire des machins, ça a bien 2 secondes. Il me met dans le dur, hein, ce jeu. Faire quoi? Ça, c'est d'où je viens? Non, mais arrête! Ah, c'est encore un autre truc, ça. Ce connard! Ah, j'avais pas vu lui. Ça, c'est chiant. On peut marcher, je crois, non? Ouais. On va détruire tranquille le sol, lui. C'est l'enfer. Alors, il est mort. Est-ce qu'il donne des cadeaux ou pas? Ah, oh, c'est insupportable, dit que tu dois te coller du proche du sol. Dit qu'il colle un mur, il s'arrête. Bah ouais,
Écoute, j'ai fait le boulot là. Pourquoi j'ai pas gagné? Oh, j'ai pas envie de passer 1000 ans à lui tirer dessus. Bon, ouais, les amis, c'était Bug Bumble. Je suis désolé, mais je comprends rien. Je sais pas ce qu'il faut faire. On va revenir en arrière quand même. Il doit y avoir un mur à casser ou une merde comme ça. Bref, ça m'a saoulé. Buck Bumble, on s'amuse pas. Moi je propose qu'on se mette bien pour finir cette petite session. Ce Buck Bumble, c'est bien gentil. Mais on va jouer à des vrais jeux vidéo. Yes! Donc, on va jouer au meilleur jeu de la terre, histoire de se mettre très très bien. La Queen est très cool, hein. Et on va prendre évidemment Miley Gazelle. Tintin, tintin. Ah, quel plaisir. Surtout après Bug Bumble, hein, c'est plus bien. Red Canyon. Ah, celle-ci, c'est le gros bordel. J'adore cette coupe, hein. C'est clairement ma préférée de tout le jeu. Les circuits sont vraiment trop cool. Le dernier est très très bien aussi. Ouais, je suis n'importe quoi. Je suis pas très focus, non. La sensu que j'ai mis, elle est un peu merdique.
ça fait un peu n'importe quoi. Mais ça va le faire. Bon, malheureusement, on a toujours des bugs graphiques. Elle est tellement énervée, cette craque. C'est pas ma préférée. Oh là là, c'est trop bien. Adieu. Allez, c'est parti. C'est chiant qu'il y ait des bugs graphiques comme ça un peu partout. Wow. Mais bon, tant qu'on peut jouer au meilleur jeu du monde. Ah là là, c'est trop cool. Celle-là, elle est extrêmement courte. Ouais, on pousse sa race. On va rattraper tous les connards là. Oh, j'ai fait un peu le fou hein. Mais c'est ça F-Zero. C'est la folie de la course. Hop là. Final lap. Ah merde. Voilà, je suis n'importe quoi. Je suis mauvais. Bon, c'était pas glorieux. Mais on est premier. Putain, hein. Ah, elle est trop bien celle-ci. Ça, c'est vraiment une de mes courses préférées. Avec le petit jumper là. J'aime trop. J'aime trop le premier tour, il y a 3000 endroits de contact, ça pue la merde. Alors moi je suis plutôt tranquille avec les autres, mais il y a moyen d'être énervé si c'est un joueur agressif. Mais le fait qu'elle soit tellement concise comme ça, les courses, c'est ça qui fait qu'F0X c'est trop bien. C'est beaucoup mieux que 0GX. C'est tellement... C'est plus l'esprit F-Zero quoi. C'est l'arcade pure et dure. C'est en une minute, tu dois faire 3000 trucs de ouf quoi. C'est pas une course de 5 minutes quoi. Et la dernière, ouais, elle est trop trop cool, la dernière. Ah ! Vraiment, la coupe queen, elle est vraiment trop cool. Bam ! Bon, à tout se faire.
Je sais pas si je vais refaire encore un jeu derrière. Ça fait déjà 3000 jeux que je fais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je suis déjà nul. Déjà nul. Voilà. Oh, je fais. C'est incroyable, je fais n'importe quoi. Si c'est passage dangereux. Fais gaffe au boost. Hein. Oh, je fais n'importe quoi. Oh là 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 là. Oh. Catastrophe. Ah, trop bien. Bon. On est reparti. White Lamb. Ah oui, ma préférée. Meilleure musique. Oh là là. Le plus dur, c'est vraiment de survivre dans le début de cette course. Hein. Que des trucs bien resserrés, énervés. Et surtout de pas se cracher ici. Parce que si le moindre boost, il faut bien le doser. Hein. Sinon, c'est fini. Hop. Hop. Regardez-moi ce BG. Oh là, nul. Oh là là. Bon, c'est pas grave, c'était pas optimal. C'est y part. On est chaud pour White Lamb. La meilleure course avec la meilleure chose. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la cohue. Oh! Ici, c'est tout le temps l'enfer. Il faut essayer d'en survivre. Oh là là. Et je peux pas jouer avec ce stick. Ce stick, il m'envoie tout le temps dans le décor. On va quand même essayer, mais... Dès que je vais avoir le boost, ça va être l'enfer. Toutes les courses faciles, je pouvais les faire, mais... Alors... On va essayer de survivre à la merde, là. Alors... Oh, ils sont tous en train de se fracasser. Ils sont vraiment tous énervés. La meilleure chanson. Oh, mon stick, il fait n'importe quoi. Il m'envoie sur la gauche tout le temps, ça me rend zinzin. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vu le fou, j'ai oublié. Parce que là, les boosts, ils sont vachement tard. Hein. Oh, ça va.
On est bien. Na 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 na. Bon, bah on est bien, c'est grave amusé. Tintintintin! Congratulations! Vous êtes le plus fort joueur de F-Zero. Bon, bah on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'était bien. Bon, on va rester sur l'écran de victoire, tiens. Quimka! Quimka Novice! Bon, bah merci à tous, si jamais vous êtes allé au bout de la vidéo, si vous n'êtes pas ennuyé. Si jamais ça vous a plu, comme je l'ai dit au début, on refera un petit épisode avec d'autres émulateurs. Il y a moyen de s'amuser sur Super NES ou sur GBA. Il y a limite bien plus de jeux fous que sur 64. Quoi. 64, j'étais un petit peu limité. J'ai plein de ROM qui ne marchent pas aussi. Mais ouais, il y a grave moyen de se mettre bien. Donc merci à tous d'avoir regardé. Puis on se voit une prochaine fois. On va se quitter sur cette superbe célébration. Du grand champion, du grand Mighty Gazelle avec des bugs graphiques dans tous les sens. Et je crois que ma ROM elle explose quand il y a le feu d'artifice. Donc apprécions ça. Thanks for praying.